Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Marcus. Bienvenue les potos et les potesses pour un nouvel épisode de Suicide Squad. Alors, vous pouvez constater les amis que j'ai changé de tenue. J'ai pris le pack, les losers de la justice, avec Sharky qui se fait passer pour Superman. Mais on a également le petit Boomerang qui se fait passer pour Flash, Deadshot qui se fait passer pour Batman, et Harley Quinn qui se fait passer pour Wonder Woman. Je sais pas où elle est, la petite Harley Quinn. Harley. Où c'est que t'es parti? Ah, t'es là. Regardez. Vous la voyez? Bon, on la verra mieux en cinématique. Donc là, on doit terminer l'entraînement d'affliction. Parce que oui, juste avant de se quitter, on avait causé un peu avec le pingouin et la petite Ivy. Et maintenant, on peut utiliser des afflictions avec nos armes. On aille par là-bas. Franchement, certains des pauvres soldats sur qui Ivy faisait ses expériences avaient l'air à deux doigts de claquer. Donc là. Ok, espèce d'affreux. Les afflictions. Croyez-moi, ces trucs vont faire pâlir nos amis violets. D'accord. Merci, pingouin, pour. Deadshot, ne pointe pas ça vers toi. Et Boomerang, arrête de lécher ce truc. Waouh! Vas-y, tombe. Ouais, ça marche comme ça. Continuez comme ça. La violence, c'est une question d'entraînement. Ah, c'est tout? Ah ouais, ça a été rapide. Nouveau butino repéré. Je me demande bien où ce sale petit cafard se cache. Tu connais Luthor, toi? Oui, charmant. Tout va bien, Batman? Hé, j'ai trouvé un insecte plein de butin. Elles chôment pas, ces bestioles. Alors, de ce que je vois, c'est plus très loin. Attends, est-ce que le butino est au niveau du sol ou est-ce qu'il est au niveau du toit? Je vais devenir le premier assassin à mourir en vieillesse. Tu ferais mieux de choisir une mission. Mais attends! Cible trouvée! Quelqu'un a un ouvre-boîte? Non, je suis bête! On a des flingues! Voilà. C'était beaucoup de boulot pour un si petit truc. Ça en valait la peine. Par contre, il n'y avait pas quelque chose à récupérer. Mission. Donc là, on a la traque du plus riche, Dakodak. On a également cette mission-là, mais on est beaucoup plus proche de ceci. Waller est résolu de vous ramener Luthor. Suivez le mouchard pour vous concentrer sur son rythme cardiaque. Faut que j'aille par où? Ah. Non, là on s'éloigne. Ok, c'est bien par là. Oh, le tank. On t'affrontera un autre jour. Tiens là. On va en profiter. Aïe. J'ai su faire quoi. Le développement
Cool. Allez, on continue. Pas trop loin, mec. T'as beau être équipé, enfin, t'as beau être habillé comme Superman, hein, tu ne peux pas voler, mec. Donc, t'emballe pas trop. Dis donc, il y en a des tourelles là. Maintenant. C'est par ici. Enfin, de ce que je vois. On avait raté ça. Non, oui, non, non, oui, 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 par là. Ouais, 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 ouais. Mince. Prêt à arracher toutes les mauvaises herbes. Je monte ou quoi? Le mouchard indique que Lex est dans cette direction. On s'éloigne. Venez, je crois que j'ai trouvé les torts. Ah ouais? Nous devons suivre le tracker. Ah oui, là. Une fois de plus, ta faible musculature te trahit, Boomerang. Shark, attends, c'est à... Harley, sors-nous de là! Harley, Harley, ne nous touche surtout pas. Plus vous me dites de pas le faire, plus j'ai envie de le faire, vous savez. Non, mais non. Trop bien. Eh bien, je pensais toucher l'un d'entre vous, tout au plus. Oh, Lex, on est connu pour dépasser les attentes. Rends-toi, Luthor. Nous sommes plus nombreux et mieux armés. Vous êtes parfait. J'en veux une armée des comme ça. Il est plutôt décevant quand on le connaît mieux. Sur ce point, vous vous ressemblez. Dites à Waller de ne pas se mêler de mes affaires. Si vous permettez, mon plan pour neutraliser la Justice League commence. Maintenant. Je vais savourer ce moment. Ça va? Qu'est-ce que... On est presque, Lexi. Oh merde. Tiens, Flash est revenu. Accroche-toi. Le gentil Flash ou le méchant Flash? Oh, et bim. Oh, clairement le méchant. Putain, mais dégagez de là, on voit rien. On sait que quelqu'un t'aide, Lex. Parle-moi de ton petit copain. Et épargne-toi des souffrances inutiles. Mais tire, bon Dieu! Non, mais c'est Flash! Tu pourrais aussi bien lui envoyer la balle par la poste. Est-ce que tu l'as eu? C'est Flash!
Vous êtes vraiment tous venus jusqu'ici pour renifler une armure LexCorp pleine de sueur? Eh ben, on sait qu'il n'y a plus aucun espoir quand... Sérieux? Autant m'envoyer la balle par la poste. Mais bordel de merde, mais c'est quoi ce Beans? Bref, ce que j'essayais de dire, c'est que... Laisse-moi deviner. Brainiac va mettre la misère à Luthor et on est les prochains sur la liste. Ouais, ouais, ce genre de conneries. Ouais, donne-nous juste Monsieur Sac à Fric et on sera quitte. Pour que vous lui fassiez les poches? Ah non, 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 non. Brainiac a besoin de Lex et... Vous savez quoi? Juste une seconde. Oui, Brainiac? Ça y est, c'est en cours? Super! Je vous apporte Luthor dès que possible. Bonne nouvelle! Vous voulez Luthor? Tout ce que vous avez à faire, c'est... venir le chercher. Mais qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a un truc qui est apparu durant la cinématique. Ça a tout niqué là. Et là, regardez-moi ça, ça disparaît. Mais la blague! Putain! On va s'occuper de ça. Survivez au canon pour gagner un super prix. C'est un prix de consolation. Un vieux modèle. Ça vous gêne si je tape l'incruste, hein? Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire à ce niveau-là? Que dalle. Te rends, Boomer? Profite-en tant que tu peux. Mais très bien, ton flash. Tu le sais aussi bien que moi. Prends ça, Deadshot. Ah ouais, là. Je m'appelle pas Deadshot. C'est ça que vous appelez vous battre? L'enfant de la balle, en cela. Flag, je vois aucun point faible sur ce truc. T'es censé faire comment? D'après l'analyse de Hack, il est bourré de terminaux.
Hack. Il devrait réagir aux nanocomposants d'autres terminaux. Ça devrait les exposer. Je vais mettre en évidence les restes de nanocomposants sur les ennemis que vous avez abattus. Récoltez-en autant que possible. Les saletés. Vous l'avez entendu. Ramassez-moi tout ça. Ouais, c'est plutôt le genre de boomer, ça. Allez, vas-y. Ah, c'est ces machins-là, non ? Prêt ? J'ai indiqué une concentration de terminaux sur le canon. Appliquez-y les nanocomposants. Allez, faites-moi vos plus beaux lancers, TFX. Oh, il se passe quelque chose ! Oh, on lui a fait pousser un bouton. On dirait que ça marche. Continuez à récolter et déposer ces nanomachins. Mais attends, là, tu veux que je récupère ça où, là ? Ah, il y en a deux là. Hack, t'as identifié l'émissaire de terminaux. Vous voulez pas crever? D'après ce que je vois, le point faible est explosé, TFX. Balancez tout ce que... Ça a marché. Continuez avec les nanotrucs des terminaux. Poussillez-moi cette arme. Je vous marque la prochaine zone à cibler. Allez. Attention, j'annonce. Je vais devoir vous faire mal maintenant. Donc la boum. Arrête d'essayer de me tuer quand j'essaie de te tuer. On fait sauter ça. Et si j'exploitais un peu la barre. Ça le fait. Non, là, on n'est pas suffisamment. Headshot est la cible numéro 1. Ah, aidez-moi, ramassez ces morceaux de terminaux. On dirait que vous avez attiré son attention. On s'est mis trop de perte. On doit se regrouper. Il n'y en a pas encore assez. Où sont les pacopins? Ah ouais, là. Et pour finir. Nouvelle séquence de tir. Enfin, s'il me reste quelque chose à activer, on va voir. Attention, rayon de la mort. Oh là 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 là, magnifique. Canon, prépare-toi à périr. Ah, elle est là. Shark, compromis. Ramassez les morceaux de terminaux pour détruire le gros flingue.
Et vous êtes tous les quatre en vie. Ça fait une bonne nouvelle. Et une moyenne, des fils. Mettons Luthor en sécurité. Mais là, Alex, il est mort. Là, il est mort avec la chute. Ah, je sais pas ce que vous en pensez, mais là, oui, on a niqué le gros flingue de Brainiac, mais... Lex, là... S'il est encore en vie, bah, c'est le GG. Hein. Faites-moi voir ça. C'est de la qualité, un objet rare, de grande valeur. On aime ou on déteste, mais faut reconnaître la stratégie de Mark. Ces objets personnels ouvrent des possibilités uniques, peut-être même de quoi satisfaire vos pulsions morbides. Faites signe au pingouin si c'est le cas. Wouah ! Ah ouais ! Ouais, 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 ouais ! Alors attends. Attends. Je veux l'essayer, je veux l'essayer. Trop complexe, mais ils n'en sont pas moins intrigants. Tu vois, facile. Où est Flash? Il a disparu. On est là pour Lex. Trouvons-le maintenant. Il est en face, mais je peux pas sauter. Là, c'est bon. Le Daily Planet. Pas mal la façade. En fait, ton histoire d'éliminer Flash, ça s'est bien passé? Ouais, j'y travaille. Hors de mon chemin, j'ai beaucoup à faire. Waller pense que t'as les moyens d'arrêter l'invasion. Allez, tu viens avec nous. Non. On a besoin de moi ici. Waller n'y connaît absolument rien. Il n'y a pas de remède miracle pour un cataclysme pareil. Si vous voulez arrêter cette invasion, il faut... Mais pourquoi j'explique ça à des seconds couteaux? Dégagez de mon... Debout là-dedans! On a un interrogatoire à terminer! Oh! Café? J'aimerais que tu restes éveillé cette fois, tu sais, pour la torture! C'est dégueulasse! Ok, on en a terminé! Tu crois que je vais juste te laisser partir comme ça? Pour que tu balances tout à tes petits copains? Tu crois qu'ils nous arrêteront? Non. Mais moi, oui. Oh, ça craint! Attrapez-le! Bien joué, Lex! J'ai toujours pensé que tes inventions étaient un peu pourraves, mais ça... Eh bien, voyez-vous ça? Il avait un cœur. Attrape! Vous pensiez quoi? Que vous réussiriez à sortir de vos cellules juste à temps pour sauver le monde? Pathétique.
pathétique? Au moins, je suis pas un grand héros devenu le larbin d'un petit homme vert. Ok, Boomerang. Tu veux voir ce dont un vrai héros est capable? Je vais te montrer. On est dans la merde. Ah ouais, carrément, tu es Flash. T'as comment je vais faire? Fais bien attention, Boomerang. Je vais tuer tes petits amis, là. J'arrête ça. Tu peux pas. Brainiac va transformer la Terre en nouvelle colue. Bien sûr, il faudra tuer les hommes, femmes et enfants jusqu'au dernier pour ça. Et même les chiens. Barry! S'il te plaît, dis-moi comment. Barry? Tu dois nous tuer, Diana. Nous devons mourir pour sauver le monde. Barry. Oh. Oh. C'est triste que tu doives tuer tes potes, princesse. Tu sais, tuer Flash, c'est aussi sur notre liste. Si on faisait équipe... Tu ne l'as pas laissé finir. Faisons équipe. Barry. Putain, mais c'est qui, Barry? Je lutte pour la paix. J'ai juré de ne jamais frapper personne par colère. Mais vous, vous me tentez sérieusement! C'est pas si mal. Tu rigoles? Ça sent la merde! Shark! Tu peux voir dans le noir, pas vrai? Non, pas du tout. On a un putain de requin et il sert à que dalle! Arlette! Demande plutôt au mec qui porte un masque tactique! Ah ouais! Deadshot? Floyd? Vos gueules, connard! Je hais les espaces confinés, j'aime pas perdre! J'ai besoin d'air, je suis coincé là avec vous! Oh, pas besoin de péter un câble! Quelqu'un me touche. C'est pas moi! En fait, c'est peut-être moi. Ça me dérange pas. J'ai cru qu'il y avait une poignée. Attends. C'est quoi que j'ai dans la main?
Je vous jure, je vais tous vous buter. Hé, mon chou, on se calme. Prends une grande inspiration, d'accord? Maman va nous tirer de là. Non! T'as pété les plombs, Quinn? Encore? Il faut que je m'assoie, que je me tienne à quelque chose. Maintenant, tout le monde me touche. Nope, c'est encore moi. Je commence à me dire qu'il n'y a pas de poignée dans ce truc. La ferme, tout le monde! Mais c'est toi qui... Mais faites-moi sortir de là! Hé, hey, là-dedans! Si vous êtes qui je pense, j'espère que je ne vais pas le regretter. Wow! C'est la célèbre journaliste Lois Lane! Écoutez, je vais vous laisser sortir. Désolée de ne pas rester dire bonjour. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour un scoop? C'était sympa. Bon bah j'espère que tu en as bien profité, mon petit boomerang, de me tripoter là, espèce de pervers. Mais qu'est-ce que vous faites à Metropolis? Est-ce qu'on va la rencontrer pour de vrai, la petite Loïs là? D'accord. Vous avez vu Superman? Pas encore. Brainiac est peut-être en train de le préparer pour une atrocité. Oh non. S'il s'est retourné contre nous, on a besoin d'absolument tout le monde. Même vous. La formulation est un brin tendancieuse, mais soit. Le bureau de Perry possède une sortie. Bonne chance. Faut qu'on passe par là, non? La touche aux fournitures, Captain Boomerang. Ouais, compris. C'est pas comme ça que je voulais qu'elle me voie. Je voudrais bien savoir comment ça s'est passé quand Brainiac est arrivé. C'est genre, il y a eu une espèce de rayon de la mort et tout le monde a été transformé en matière inorganique. Attendez, je vais faire un truc, parce que le truc qui est dommage avec cette tenue-là, c'est que ça masque un peu les visages. Donc je vais reprendre les tenues de base, et on verra bien. Alors je sais pas du tout comment on fait pour changer de tenue, pour avoir des nouvelles tenues. Je sais qu'il y a une boutique, mais j'ai absolument pas envie de dépenser d'argent. Regardez, si je vais dans... Ah bah tiens, talent. Voyons un peu ce qu'on a pour toi. Requin acculé, toutes les 3 secondes, passer à tirer à l'arme à feu, ajoute 1 au combo en combat, d'accord. Chaque frag par capture de bouclier, non je vais prendre ça. Donc ouais, boutique, là tu vois on a ça, là pour le petit King Shark, pour Sharky je peux avoir cette tenue là. C'est plutôt pas mal, mais ça coûte 1000, et 1000, c'est pas mal quoi, je crois que 1000 ça vaut... Alors je sais pas... Où sont les achats de points? Mais je crois que 1000 points, c'est à peu près 10 balles. Donc une tenue à 10 euros. Et ouais, encore une fois, j'ai pas envie de dépenser 10 balles pour acheter une tenue. Tu veux que je te fasse un topo en tête-à-tête? C'est top secret, mais... Tadast Force X, où est Luthor? C'est mortel. Et Flash? Volatilisé. Je ne sais pas encore ce que je vais faire de vous, mais vous n'allez pas aimer ça. Revenez dans le hall de justice pour un débriefing. Hé ! Elle a pas dit terminer ! Elle doit être vexée. Si nous accomplissions des tâches pour l'Argus sur le terrain, Waller serait peut-être plus encline à se montrer indulgente. Ouais, on a qu'à se prendre le penthouse de Belle Rêve. Il n'y a pas... N'empêche, c'est couillon parce que l'ex-Luthor, on l'a pas vu longtemps. Et je sais pas si vous aviez remarqué, mais il était doublé par Donald Renew, l'acteur de doublage qui fait notamment Spider-Man.
dans les jeux, hein. Je crois pas que ce soit lui qui fasse la voix dans les films, mais dans les jeux. Et pas que, hein. C'est également lui qui fait Titeuf, qui a fait mais, 1 milliard de rôles. Tout type de vidéo, tout type de film confondu, les séries, les dessins animés. Ben vraiment. Voilà, je pense que vous devriez connaître Donald Renew, et si c'est pas déjà fait, bah honte, honte à vous. Voilà, tout simplement. Parce que le mec, il a fait encore une fois 1 milliard de choses. Mission! Ah, bah écoutez, on est juste à côté de ceci, donc on va y aller. Et là, on a un flip pour la vie. Ce que Brainiac ignore ne peut pas lui nuire. Ou ça pourrait, mais ce serait pas grave. Retrouvez-moi au point de rendez-vous. Et discret, hein. Allez, monte, monte, monte. J'enchaîne, je devrais être devant. Mais c'est ouf quand même, ouais, à quel point on l'a peu vu, le Alex. Enfin, le Lex. C'est genre le mec, il était hyper confiant. Même moi, je me disais, il a peut-être ses chances pour lutter contre les contre la Justice League, et il est mort en 2-2. Déjà, il a été éjecté de sa combi en une microseconde, et ensuite, il est mort en une fraction de seconde. Ça nous a coûté notre meilleure piste sur la source de Luthor. Tiens-toi à carreau jusqu'à ce que je change d'avis, Flash. J'ai localisé Hack et sa mission. Tout à fait officielle et approuvée. N'en fais pas trop non plus, Shark. C'est pas utile. Encore un test d'efficacité du bouclier. Hack, je n'ai... Bon, d'accord. Tant que ça les tient à l'écart de mon sanctuaire. Je vais avoir besoin d'un peu de temps pour m'introduire dans les communications de Brainiac. Si on réussit, on aura beaucoup plus de bandes passantes pour le réseau de contrats. Ah, ça fait même son petit effet, hein. On attaque le regard. Je vais faire gaffe. Super, je vais lancer le scan de ce terminal. Connect. Queen est la cible prioritaire.
Ouais, je suis prêt. Les ennemis m'empêchent de scanner le terminal. Terminal sécurisé. Beau travail, TFX. Non, il est pas sécurisé, là. Ça faut être éliminé. Oh là là, c'est long! Ah, ça y est, enfin! Que de mal! Le réseau des contrats 2.0 de Hack est en ligne. Oups! Bonne nouvelle! La forte demande a fait planter mon serveur de contrat. J'ai pu récupérer plus de bandes passantes à l'insu d'Argus. C'est le moment de télécharger plein de films. Un truc de bien. Attention! Ouais, nettoyeur des rues. Je vais continuer. Oui, à ton mais non! Arbre de talent. C'est bon, on bidouille ta cervelle. Donc là, on a quoi? Là, on a les contres réussis, régénère 5% de bouclier, et les contres critiques régénère 10% de bouclier, ouais. Lors d'un combo x10, ouais, déjà, il faut que je réussisse à faire des combos x10, donc je vais plutôt partir sur ça. Et là, maintenant. Et maintenant. On pourrait partir là. Amputation d'origine contrôlée. Je pense qu'on va. Voilà, allez ici. Nous allons rentrer. L'accueil. Vous quatre, vous n'êtes pas autorisés à poser des questions. Vu mon humeur, vous aurez tout juste le droit de revenir à la base en espérant pouvoir passer le restant de vos jours en isolement. Amenez vos enfants et leurs potes. Mais attention, ils préfèrent qu'on chuchote. Bienvenue dans la mission, Flash. Ouais, merci, Lanterne. Bon, je sais que j'ai un peu trop tiré les vers du nez de lutte, mais je dois pouvoir faire le job avec ces quatre-là. Flash, tu restes en retrait et tu récupères. Bruce, sans déconner. Tu es allé trop loin. Ça nous a coûté notre meilleure piste sur la source de Luthor. Tiens-toi, Caro, jusqu'à ce que je change d'avis, Flash. Les gens humbles ne sont bons. Bien joué, les maboules. Mission accomplie avec panache. On n'est pas maboules. Oubliez pas qu'on a un cœur et qu'on a des... On peut ressentir des trucs, des émotions, des sentiments, enfin tu vois, tu vois ce que je veux dire? Ce n'est pas ce que nous a... Je comprends, monsieur le président. Très bien, je vous remercie. Donc, Flash est vivant. Donnez-moi une bonne raison de ne pas mettre un terme à ce programme et à vos vies. Le démon de la vitesse est hors de contrôle. Ouais. J'ai passé une grande partie de ma vie de rêve à essayer de tuer ce connard. Mais je peux vous le dire, c'était pas Flash. Il était comme possédé. Possédé, lobotomisé, je m'en moque. Quand je donne un ordre, j'attends... Attention, intrus détecté à l'entrée principale. Hack ! Quelque chose brouille les scanners biométriques de l'entrée. On va avoir de la compagnie. Task Force X, à la porte. Salut, je m'appelle Hiro. C'est vous qui essayez de sauver le monde ? Attrapez-le.
Ça marche! Je l'ai réparé! Je suis un génie! Ça ressemble à un méta-humain, madame. Ah, si seulement! Je suis ingénieur en mécanique. En fait, j'ai récupéré cette technologie anti-vitesse pure. Je travaillais sur un truc du genre pour choper un autographe de Flash. Je suis méga fan. Salut. Je fabrique des trucs, comme ce petit gars-là. C'est un peu mon super pouvoir. J'ai pensé prendre le nom de Toyman. T'as pensé à casse-couille, man? J'ai pas raison. Nom d'un petit bonhomme! C'est ça le sanctuaire? Vous avez le droit de pénétrer dans la planque ultra secrète de la Justice League? Dame, donnez-moi 5 minutes là-dedans, et vous serez la reine de la microtechnologie, et la Justice League sera à votre service! Et toutes mes inventions! Daijob, hommage à Nayo. Accordé. Bam! Voilà pour toi, petit merde. Waouh! C'est quoi? Un rite de passage? C'est ça, rite de passage. Nos félicitations. Génial! Oh, il est trop mignon! Il tiendra pas le coup. Ce truc dans votre main, vous allez m'en faire d'autres. 4. Nous allons... capturer Flash. Teki kara enerugi wo atsumerareru no kana? Ouais, je crois que ça va marcher. Tout ce qu'il vous faut... Ok, petit, on va t'installer. On veut voir ce dont t'es capable. Bien sûr, mon nouveau pote. Je suis pas ton pote. Avance. Toyman. Allez lui chercher ce qu'il lui faut. Je vais devant. Et moi derrière. On a deux gamins dans les pattes maintenant. Cool. Cool. Il a l'air sympa, il sait pas du tout de quoi il s'est embourbé, mais ouais, tant pis pour lui, hein. Et en plus de ça, Boomerang, tu sais, il était pas obligé de lui injecter une bombe dans la tête, hein. Mais comme c'est un connard, quoi, c'est genre, si moi j'ai une bombe dans la tête, faut que tout le monde ait une bombe dans la tête. Tu sais, il a un petit peu... il est comme ça, je le sens comme ça, moi, Boomerang, je sais pas comment vous le voyez, le Lascar, mais... ouais... C'est genre, si moi j'y ai le droit, vous aussi. Surtout quand c'est pour des conneries. Hein? Hein? Tu peux t'éloigner, Boomerang? Fou arrive. Donc allez, sur ce, les amis, moi je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. J'espère que vous avez pris plaisir à regarder tout ça. Vous me ferez savoir tout ça dans les commentaires. Je compte sur vous pour avoir vos retours. N'oubliez pas avant de partir, le pouce en l'air, le partage, l'abonnement, la petite cloche. Ciao, bye bye!